cours de l'été 2013, l'équipe d'Autrement vu en vacances a visité plusieurs attraits de Rimouski. Une première série de 6 reportages a été réalisée. Tout d'abord, une visite au Jardin de Métis. C'est là que nous avons rencontré un chef passionné par son potager. Avec la fleur se mange. La fleur se mange, oui. Mais l'herbage ne se mange pas. Après la fonte des glaces chez Rivière, c'est là qu'on a pour un bon 30 à 40 jours à traverser chez Rivière Rimouski. Nous avons aussi participé à une activité familiale de soirée au Canyon des Portes de l'Enfer. La légende du beau magnifique. Ça s'est passé très de suite aux Portes de l'Enfer. L'équipe d'Autrement vu en vacances a aussi suivi la conservatrice du musée régional de Rimouski dans les préparatifs d'une exposition. Et que dire de cette journée mémorable passée à l'île Saint-Barnabé, ce parvent naturel faisant face à la ville de Rimouski. C'est là que nous avons rencontré les étudiants en archéologie qui participent aux fouilles sur le terrain. Le but de l'archéologie, c'est pas nécessairement d'enlever les objets, c'est de les laisser là le plus possible parce que c'est quand ils sont dans leur contexte qu'ils racontent le plus de choses. Nous avons également suivi quelques familles qui ont osé l'expérience d'une nuit à bord du sous-marin l'Onondaga. C'est un sous-marin de classe Oberon, construit en Angleterre en 1965, et il a servi pour l'armée canadienne de 1967 à 2000, 33 ans à naviguer un peu partout sur la planète. D'autres capsules touristiques dévoilant de beaux attraits de chez nous sont en cours de production actuellement et vous seront dévoilées au cours de l'été 2015. D'ici là, passez de belles vacances à Rimouski et bon été!